va nous rentrer dedans. Il va... Non, mais c'est pas possible aussi, à un moment. Il joue à quoi, lui? Il y a un passage piéton ou pas? Putain, ferme ta gueule. Je te le dis, ferme ta gueule, t'es dans ma voiture maintenant, donc tu sors. Ah bon? C'est comme ça. Pourquoi il klaxonne, cet enculé? C'est moi qui klaxonne. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tu connais comme d'hab. Merci à déjà tous ceux qui sont là, qui ont cliqué sur la vidéo, vous êtes les boss. Déjà tous ceux qui sont là. La petite moustache du daron, hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale qui restera gravée dans ma mémoire, dans notre mémoire, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer mon permis pour passer le permis. Du coup les gars, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais passer mon permis avec vous, voilà. Donc j'ai filmé sur plusieurs semaines. J'ai filmé une heure de conduite, j'ai filmé quand je passais le code, j'ai filmé une heure avant de passer mon permis, j'ai filmé quand j'ai passé le permis, est-ce que je l'ai eu ou pas, bref. Et si j'ai mon permis, à la fin de la vidéo je déballe ma voiture que je me suis pris, etc. Donc voilà, le permis c'est quand même quelque chose d'important. Le permis c'est une étape de la vie gros, donc j'avais envie de l'immortaliser avec vous. Du coup, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, je compte sur toi, t'es le boss et ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, ça fait aussi plaisir mon ref. Et voilà, me follow sur Insta, Twitter et je crois que j'ai tout dit. Voilà, voilà, je pense qu'on peut commencer la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, que vous allez passer un bon moment. Moi dans les commentaires, si vous pensez que je vais avoir mon permis, là maintenant vous le dites, je pense que tu vas avoir le permis, t'auras pas ton permis. Comme ça au moins, je vais voir la team qui a cru en moi et la team qui n'a pas cru en moi. D'ailleurs les petits refs, petit début de vidéo au calme, je raconte ma vie. Regardez-moi ces nouvelles pépites que j'ai achetées. Est-ce qu'elles sont pas incroyable. Est-ce que elles sont pas incroyables? Elles sont incroyables. C'est météen. Alors les gars, pour cette vidéo, c'est simple. Comme elle s'est passée sur plusieurs semaines, c'est dur de tout structurer bien. Du coup, je vais être là pour vous aider à structurer tout ça, etc. Donc déjà, avant le permis, les gars, il y a le code. Donc je suis allé passer mes séances de code et tout. J'ai fait, j'ai dû faire, allez, 2 semaines de code, gros. Je me suis dit, ah frérot, je faisais des 29, 28, 31. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Coup de poker, je suis allé faire le code, etc. Je vous mets des petits passages. Quand je passais mon code... Oh putain, mais ça c'est des questions de chétane. Oh non, 6 mois c'est trop pas de temps. 2 ans c'est grave long. 1 an c'est peut-être pas tous les 2 ans. Allez hop, c'est bon, j'ai bon. Ça je suis sûr que j'ai bon, j'ai vu ton regard et il s'est guidé vers la bonne réponse. Même moi je sais pas en vrai. Avant de partir, j'enlève la neige. J'enlève la neige pour l'ensemble du pare-brise. Ouais. Réponse A. Ouais. Sur les blocs optiques, réponse D. C'est quoi des blocs optiques, wesh? Oh les bâtards! Les blocs optiques! Bah c'est sur les blocs optiques, hein. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est les rétroviseurs. Réponse. Stop and start! Limite la pollution, coupe le moteur à l'arrêt. Allez, ça c'est bon. Ça j'ai bon, je suis sûr de moi. Des questions comme ça, je les adore. Bon pour l'instant, j'ai potentiellement 2 fautes. Pour mieux voir, réponse A, pour être mieux vu. Les deux. Les deux. Bon alors, mais je suis trop simple, ça c'est des questions. S'il y a que ça pendant là, dans une heure quand je fais le code, j'ai mon code mais 40 sur 40. Grossier au code, c'est que des questions comme ça, c'est donné. Bon alors, suspect. Bon. Oh ouais, j'ai fait 10 fautes. Moi je savais. Tu savais j'allais faire 10 fautes? J'allais dire 10. Je faisais trop le mec là en fait, j'ai vu à 10 fautes. Oh non. En vrai ça va. Bon les gars, j'ai fait 10 fautes. Là, je vais aller passer le code. Je vais tenter si je l'ai. Mais je me suce 4 boules et je suce les 4. C'est parti. Bon bah les gars, c'est parti. Je suis juste devant l'agence. Code. Je ressors d'ici avec mon code. C'est parti. Je reste, c'est la salle du temps. Si je loupe, je refais 4 fois. Bon les gars, je viens de sortir. J'ai eu 6 fautes. Premier essai. 8 fautes. Deuxième essai. Et le troisième, j'ai eu 5 fautes, donc j'ai mon code. J'ai mon code. Ça veut dire que là, je peux faire la conduite. Du coup, là, je ressors, j'ai mon code. Je suis dingue, c'est dinguerie. Les gars, j'ai révisé une semaine et demie, de temps en temps, et j'ai eu mon code. Si c'est pas carré ça, moi je suis trop content, le chat, c'est dinguerie, oui. Du coup, semaine prochaine, je commence les heures de conduite. Et c'est parti, objectif, pouvoir conduire la voiture de Doc au bout de très vite. Du coup les gars, ouais, bon, j'ai passé 3 fois le code à l'affilée, les gars. Parce que oui, en fait, quand tu fais ton code, tu peux repayer 30 euros pour le passer 30 minutes après. Ouais, un petit glitch que j'ai fait. Je l'ai fait 2 fois. J'ai payé 60 balles, j'ai eu mon code. Et du coup maintenant je vais vous montrer une heure de conduite que j'ai pu faire avec Mathieu, celui qui me faisait faire les heures de conduite. Et voilà, je vous fais passer ça maintenant les gars. Yo les refs, du coup on se retrouve pour la deuxième heure de conduite. Enfin j'ai fait une heure de conduite avant. Du coup je me suis dit celle-là je vais pas la filmer parce que j'avais pas trop envie, comment dire, de pas être concentré, d'être déconcentré. Je te souhaite de le rater, bâtard, je te souhaite de le rater. Frérot, je passe pas le permis. Aujourd'hui les gars, on fait petite heure de conduite. Je voulais faire une petite heure de conduite avec vous pour vous montrer un peu ce que c'était. On est avec Mathieu. Mathieu. Le boss. Et merci le permis. Tu travailles chez CER Colombe, c'est ça Mathieu? T'es le boss quoi? On essaye. Mathieu c'est le boss, c'est son autre école et tout. Et du coup on va faire l'heure de conduite avec lui. On va conduire tranquille. J'ai mis une petite GoPro ici les refs, si vous voyez bien. Et j'en ai mis une ici.
Elle est là, là, voilà. Bref, voilà, voilà, on embarque dans le véhicule. Vous allez voir une Inoxtag conduire, les gars. C'est une grande première, c'est parti, let's go. Ferme la porte, on est une de gov. On a le volant, oh là 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 là. Règle bien tous tes trucs. Règle tes sièges, tes rétros, quinquinqui. Ouais, ouais, tu t'y connais bien, t'es bien renseigné hein. La putain de ta race, frère, hein. J'ai pas besoin de te le dire, moi. Ouais, c'est vrai. Bon, les gars, il faut que je gère, faut que j'avance mon siège et tout. Tu connais, ah ou quoi, Mathieu? C'est carré comme un con. Mathieu, c'est le boss aujourd'hui, Mathieu, c'est le boss. Il va m'apprendre à piloter le Gramos. Pilote la caisse, ma chérie, t'en fais pas. Quoi? Arrête! Je t'ai dit que t'as rasé. Non, j'arrête. T'as grillé la priorité là. J'ai rien grillé, bouffon. Oh là 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 là. La ceinture, très important. C'est mieux. Toujours. Ouais. Bon, Mathieu, les gars, bon. Vous aurez pas tous des mecs comme Mathieu dans votre shop pour vos heures de compte. Mathieu, c'est le boss. Mais on va bosser quoi aujourd'hui? Les règles de circulation. T'explique d'abord les règles principales. Par contre, s'il y a aucun marquage, c'est priorité à. À moi. Non, c'est l'inverse. À droite. Ah oui. À droite. Donc s'il y a pas, si le mec il a une ligne de stop ou des pointiers, ça lui de s'arrêter, ça bloque. C'est comme s'il y avait un mur. D'accord. S'il y a rien, tu le laisses passer. Okay. D'accord. On y va. On pose le téléphone ici. Alors, je pose le téléphone. Je jure, Mathieu, je jure devant tout le monde qu'avec ma voiture, jamais, mais je dis bien jamais, je n'utiliserai mon téléphone au volant. Ça c'est bien. Voilà. On applaudit. On débute sur des bonnes bases. Alors c'est où qu'on accélère? Ah là j'ai les couilles à l'aise. Là je suis à l'aise. Ok, c'est parti. Clignotant, on enlève le frein à main d'abord. Là ma position de volant est bien. Et pas mal un peu. Plus sur l'extérieur les doigts. Voilà. Ah oui, comme ça. Allez, on y va. Putain, il roule. Je roule ma gueule. Bien sûr que je roule, attends. Ouais, tu allez, me toujours tout droit. Aujourd'hui voilà, autonomie un petit peu sur la mécanique. Parce qu'on a vu ça au premier cours quand même. Clignot. Allez. On le met maintenant? Ouais, on communique assez tôt. Le clignotant c'est très important. Monte le bien haut. Et quand on tourne toujours avec le pied ou ça. Sur le frein. Voilà. Et on chevauche le volant, très bien. Et après, on avait appris à laisser glisser. Je laisse passer toutes les voitures. Non. Même pas toi, 10 minutes. 10 minutes? T'attends? Ah ouais? Non, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de voiture, mais s'il y a beaucoup de voitures, t'attends. Ah ouais, non, mais il y a trop de voitures là. Oh, laissez-moi passer. Allez, je peux y aller là. Ouais. Et tu regardes de chaque côté. Allez. Tourne bien ton volant. Peut-être aurait dû être plus serré. Ouais. Et laisse glisser, on accélère un petit peu. Ça glisse pas? Parce qu'il faut un petit peu de vitesse. Ah, d'accord, ok. Si je vais à 160 au lieu de 130, c'est grave, Mathieu, ou pas? Non, c'est vite fait, ça c'est... On est habitué. Inox, vas-y, okay. Tu peux y aller, c'est vert. Mais toi, attends, frérot, faut pas faire un accident, là. C'est vert, tu peux y aller, le bâtard. Mais la petite lumière, ça fait une petite ambiance, non, la lumière ambiance. T'as misé? Ouais. Non, c'est interdit. Non, interdit, ok. Ouais. Lui, déjà, avec sa moto, il est hors loi, on est d'accord? Hors loi, ça n'existe pas, ce que tu viens de dire. Hors la loi. Allez, on y va un peu de rythme en même temps, et on regarde que là-bas, il voilà. Vraiment, c'est marmotte au volant, et une vieille au volant. Mais gros, attends, j'apprends, je vais pas appuyer... Tu veux que j'appuie sur le cornichon? Voilà, voilà, ah voilà. Et on a le droit de faire l'amour au volant? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, t'as l'air d'avoir testé, hein. Mais t'as toujours une connotation sexuelle, tu peux le faire sévice par contre, c'est autorisé. Non mais les gars, sérieux, tu t'es déjà fait? Ah, tu perds pas de poids, vraiment, hein, tu perds pas de poids. Il a dit oui. Vraiment? Pas besoin de faire un test de pureté pour pas de... Moi je dis que la vérité. Au volant. C'est un délire, ouais, sur l'autoroute. Il a dit c'est un délire. Toujours tout droit? Ouais, donc tu vois ça fait un petit écart. Je mets pas de clignotant là. Non. Lui, il m'a doublé par la droite. Oh le fils de pute. Interdit. Arrête-toi frère, descends. Boum-le. Il est interdit. Boum-le. Vas-y, descends maintenant. Je vais descendre. Mais descends maintenant. Bon, c'est bon, ça m'a saoulé. Donc là, moi, je suis là. Je galère à avoir mon truc. Et je vois, il y en a, ils conduisent, ils font n'importe quoi. Et à chaque fois que tu freines, tu regardes où, tu te rappelles? Ouais, le rétroviseur. Et on le voit. Magnifique. Un petit peu secoué. Un petit peu secoué là à l'arrêt. Bon toi, je t'ai pas demandé ton avis, frérot. Frérot, ça fait plaisir d'être à l'arrêt. On dirait que t'es le condé et moi je suis en garde. Gros, est-ce que ça y est, tu vas me dire à la fin si je suis un pilote? Tu vas me dire si je suis un pilote à la fin? Non mais tu te débrouilles très très bien, je suis fier de toi. Merci, ça fait plaisir. Mais c'est Mathieu. En fait, parce que j'ai vu la voie d'ici et je me dis j'ai pas le droit d'y aller. J'y vais que si je tourne à gauche. Si tu tournes à gauche, ouais. T'as calé en automatique. En auto. C'est vraiment le permis, pas pour toi. Ah ouais, reste en VTC, frère. Tu leur rentres dedans, c'est des... Frérot, ils vont pas être sur la route, ma gueule. Laisse passer la dame. Voilà. Non, c'est trop brusque, peut-être. Ouais. Oui, mais gros, là tu es obligé. Je vais vomir, patin. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, je vais vomir. Là, j'étais obligé, j'ai vu au dernier moment. Mais quand tu tournes, garde le plus en plus. Tu peux pas tourner en laissant bon, la voiture. Là, à partir de maintenant, je suis attentif. Non mais gros, toi tu me cherches aussi, frérot. Esquive. Mais ta mère, toi tu veux qu'on ait un accident? Il serait capable d'avoir un accident avec personne sur la route. Faut que je m'habitue à bien regarder un peu partout. Genre là, tu vois, il y a mon daron. Ouais. Panneau stop. Stop.
On regarde, il n'y a personne, on dégage. Okay. Et quand tu dégages, on regarde encore, tu vois, pour ici. Ok. Voilà. En même temps, je regarde. Voilà. Je regarde derrière la voiture qui attend. Et même un petit peu de rythme. Là, faut que je fasse attention. Vas-y, même un petit peu de rythme. C'est de rouler à 30 au moins. C'est vrai que je roule doucement aujourd'hui. Non, on est dans un petit truc. Mais c'est pas mal, là, t'as vu mon ref, hein. Non, non, franchement, c'est mignon, agréablement surpris. Vraiment. Ouais. C'est un dodan, donc on ralentit bien en plus. Il a assez. Le dodan, si je veux le prendre à fond, c'est bien. Ça fait des sensations. Ça, ouais. De toute façon, essaye une fois quand t'achètes ta voiture. Ouais. T'essayes à fond. Je peux pas le faire sur la tienne, là, Mathieu. Non, après, tu m'appelles. Il fait quoi, lui? Il va nous rentrer dedans. Il va... ouais. Non, mais c'est pas possible aussi, à un moment. Non, mais faut se faire respecter. Il y en a, ils l'ont eu dans un Kinder Surprise. C'est ça. Voilà. Moi, Mathieu, je l'ai dans quoi, mon permis? Kinder Bueno. Bueno. Je vois quoi, lui? Il y a un passage piéton ou pas? Merde. Putain de merde. Respectez les Portugais, bon, les gars. C'est bon, un moment. Où ça va chier dans la voiture? C'est portugais. Ah, c'est bon, quoi. C'est vrai. Écoute, c'est la première et dernière fois. Honnêtement, Mathieu, l'arrêt, il est incroyable. Non. Il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Toi, ferme ta gueule. Je te le dis, ferme ta gueule, t'es dans ma voiture maintenant, donc tu sors. Ah ouais. C'est comme ça. Écoute-moi bien, je conduis depuis l'âge de 13 ans. Hein? Comment ça, depuis l'âge de 13 ans? Ouais, depuis l'âge de 13 ans. Tu disais que des motos électriques, des trottinettes électriques, hein, c'est non, tout. C'est que c'était même pas. C'est bien. Voilà, putain! Gros, là, je pouvais rien faire, Mathieu. Si, relâche toujours un peu. Mais là, j'allais aller dans le passage. Non, freine bien au début, freine bien, c'est-à-dire mets la pression au début et à la fin, relâche un peu. Toi, tu fais l'inverse, tu freines doucement et à la fin, tu mets tout. D'accord, ok. Casse un peu l'allure au début. Genre, casse sa mère et relâche. C'est comme quand tu rentres dedans, quoi. Allez-y, monsieur, allez-y. Y a pas de souci. J'aime bien quand il fait ça, parce que normalement c'est moi qui fais ça, moi qui fais merci. J'ai un autre truc à vous dire, hein. Je laisserai passer tous les piétons quand il y en a un devant. Même sur l'autoroute? Il y en a pas. Tu as réfléchi. J'espère que la vidéo te plaît, mon ref. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu, tu connais le refrain. Pourquoi il klaxonne cet enculé? C'est moi qui klaxonne. J'ai insulté Mathieu. Oh! Le piéton là, c'est vert. Tourne, freine un petit peu quand tu tournes, j'ai dit. Comme ça. Voilà. Et après. Et après, voilà. On laisse glisser. Okay. Travaille que sur la partie haute du vol. Les gars, c'est des conseils que vous pourrez reprendre, hein, quand vous passerez. Ouais, on rigole bien, mais il y a des fois des trucs bien aussi. Bah, des fois, il y a beaucoup de choses bien dans ce que tu dis. Hein. Allez hop, j'ai les idées de Mathieu dans la bouche. Bon allez, je mets un petit coup de pouce là. Ouh, ça y est, t'aimes bien ça. Ouh. Là, tu m'excites. Là, tu m'excites. Ah, y a un dodan. Magnifique. Je crois un peu. Il nous a shaking. En vrai, l'auto c'est bien. J'ai pas testé la manuelle, mais non. J'ai la flemme de tester. Oui, c'est appelé Inox Tag. Parce que Inox Tag, parce que Inox était déjà pris. Donc Inox Tag. Du coup, j'aimais bien faire des tags à l'époque. Et du coup, j'ai mis Inox Tag. En vrai, je dette ça, les gars. Je dette ça. Hein. Je suis posé là. Mec, je kiffe conduire. Gros, je peux. Là, jusqu'à minuit, je peux continuer. C'est mytho, là, je... Mais Mathieu, vraiment. Attends. Non, la dernière fois, on a fait. Il disait, mets-moi des 4 heures et tout. Je dis, c'est beaucoup, Inox. On a mis 2 heures et t'es comme ça. Non, c'est parce que j'avais une dure journée. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon là ou pas? Je les avance un petit peu léger. Voilà. Et qui klaxonne là? Il faut faire la prod là. Vas-y. Klaxonne. Il faut se faire respecter, putain. Là tu klaxonnes alors c'est rouge. Bang. Thanks. Bah, allez, capté bien. Le délire. Nous on fuit. Attends, le frein à main. Vas-y, tiens. Bah oui. Voilà. Bien vu. Et bah voilà, la petite heure de conduite. Mais en vrai, c'est carré, hein. Les heures de conduite, les gars, je kiffais. C'est comme un jeu vidéo, frère. T'es dans ton truc. Pendant une heure, t'es bien, t'es attentif, t'es concentré. Gros, conduire, je peux faire ça 20 heures, c'est incroyable. En vrai, j'ai kiffé conduire, j'ai kiffé aller aux heures de conduite. J'ai fait 13 heures parce que j'ai passé le permis en boîte auto. Du coup, les gars, bon, j'avais un peu la flemme de faire manuel en vrai. Mais après, je peux faire une formation de 7 heures pour le passer en manuel. Et j'avais envie d'avoir mon permis vite parce que j'en ai marre de prendre des Uber pour aller à Webedia. Du coup, c'est carré, j'ai fait mes 13 heures de conduite en automatique. Et du coup, c'est le jour J, les gars. Je vais vous montrer un peu dans quel mood j'étais quand je devais passer mon permis. En vrai, j'étais pas trop stressé. Du coup, ouais, Mathieu, il m'a dit tente-le, frérot, tu peux y arriver, tu conduis bien, etc. Vas-y, essaye. Au pire, tu le repasseras, mais je suis sûr que tu vas l'avoir. Du coup, on se retrouve avant le permis. Bon, les refs, c'est le jour J. Bon, là, je suis dans ma petite Peugeot, tu connais, hein. Je vais passer le permis dans 10 minutes. Je suis un peu en mode stress, mais un bon stress, tu vois. Est-ce que honnêtement, je peux l'avoir là? Ah, t'as des chances de l'avoir, t'es calme et. Faut que je reste calme. Et faire les choses bien. Oh là, les gars, je stresse. J'espère qu'en sortant de cette voiture, je vous dirai, bon, les gars, il y a des chances que je l'ai ou je l'ai complètement loupé. Si je loupe, c'est pas grave. Si je réussis, tant mieux. Et vas-y, hein, c'est parti. On se voit juste après, les gars. Et que la chance soit avec moi. On est ensemble. Bon, les gars, je viens de
finir de passer. En vrai, je stressais pas trop. En vrai, j'étais à l'aise, tu vois, j'étais à l'aise. Celle qui était avec moi, la monitrice, elle était grave sympa. J'ai pas eu de réflexion. Enfin, si, des fois, elle me disait va moins vite dans les dodans parce que j'allais à 30, mais fallait peut-être que je sois un peu moins rapide. Elle m'a posé des questions sur ce que je faisais dans la vie et tout. Du coup, je lui ai répondu, etc. En vrai, elle était grave sympa. Normalement, tout s'est bien passé. J'ai pas fait d'erreur éliminatoire. J'ai pas grillé de priorité. J'ai pas niqué les piétons. J'ai rien fait. Donc, les gars, j'ai le résultat dans 48 heures. On se retrouve dans 48 heures et j'espère que j'ai mon permis, les gars. Ouais, les gars, on est à l'auto-école après les heures de conduite, etc. La galère, j'ai passé le permis comme vous avez pu le voir et j'ai eu les résultats sous 48 heures et tout. Du coup, j'ai les résultats. Là, je viens chercher les résultats justement. Mathieu qui est là. Là, Mathieu, tu vas m'annoncer mes résultats. Ouais, c'est les choses. Ça va ou quoi? Bien ou quoi, mon vin? Du coup, les gars, j'ai fait 13 heures de conduite. 13 heures. 13 heures pour avoir la boîte auto. Le minimum obligatoire. Pour avoir la boîte auto. Pour avoir le permis boîte auto. Et tu m'as dit, passe, vas-y, tente. À 13 heures, tu tentes. C'est chaud, vas-y. À 13 heures, tu tentes, vas-y. Tu m'as dit, on tente. Est-ce que t'as bien fait de venir ça, mon petit Mathieu? Je sais pas. Est-ce que là? Je sais pas. Est-ce que là, tu vas me dire. Ah, là, regarde, attendez, il y a un petit sapin. Là, c'est des cadeaux de Noël ou pas? Et le super ami. Et du coup, j'ai mon permis. Vas-y. Les gars, j'ai une voiture, j'ai mon permis. Tiens, regardez, c'est à toi ça mon gars, ça tu colles ça derrière. Hein, ça veut dire que là j'ai mon permis. Pour vous, ça veut dire là je suis jeune conducteur. Ça c'est jeune conducteur. Jeune conducteur 6 points. Mec, c'est incroyable, j'ai 6 points là. C'est un bon élève. Ah ouais? Appliqué. On a fait une belle formation, très appliqué, un peu foufou, comme d'hab. Ah ouais. Avec Michou aussi, puisqu'on a bossé ouais. Avec Michou. Très bon élément, c'est bien, je te jure, c'est vrai. 13h, c'est propre. Hein. C'est pas propre. Tout le monde qui fait 13h. C'est propre. Du premier coup, en plus, on a le permis. Mais bon, bah, les gars, je peux dire officiellement que je suis jeune conducteur, j'ai le permis. Maintenant, il manque la voiture. Je voulais remercier infiniment Mathieu Telbos. Le meilleur copilote. Non, le meilleur moniteur. Le meilleur moniteur. Du coup, j'ai passé à CR Colombe. Et d'ailleurs, t'as une surprise pour eux. On leur dit tout de suite. On leur dit tout de suite. Les gars, dans la description, il y a le lien de son Insta. Il vous fait gagner le permis de conduire. Le permis de conduire. C'est grâce. Tu payes rien. Et c'est vert. Voilà. Donc, tu payes rien du tout. Ça, faut pas louper. Si tu gagnes le concours, bah Mathieu, c'est toi le moniteur. Alors, c'est toi qui vas faire le moniteur. C'est moi-même. C'est toi-même. C'est moi-même. Ok, c'est bon. C'est validé. Bon, voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour ceux qui veulent tenter. Merci Mathieu. Bon, bah les refs, comme vous avez pu le voir, j'ai eu mon permis. Je suis trop content là. Je suis jeune conducteur. J'ai le A. Est-ce que tu peux dire que t'as le A? Bon, je pense qu'il y en a qui ont le A, mais je suis trop fier d'avoir mon A. Et maintenant, les gars, c'est Noël. Aujourd'hui, on est le 25 au matin, à l'heure où je fais cette séquence. Et je me suis fait un petit cadeau. Voilà, j'ai dit à mon père, ouais papa, tiens, je lui ai donné de l'argent, lui ai dit prends-moi une voiture stylée d'occasion, bam, je veux pas voir c'est laquelle. Comme ça au moins j'ai la surprise lors de la vidéo. Je sais pas quelle voiture il m'a pris. Je pense que c'est une Peugeot, mais je sais pas quel modèle. Sur ce, est-ce qu'on va pas aller découvrir tout de suite mon gamos, les gars? C'est mon cadeau de Noël. Mon plus beau cadeau de Noël de tous les ans là. C'est incroyable. Là j'ai trop hâte. Venez on va voir. Bon les gars, pour vous dire, j'ai dit au daron mettre la voiture quelque part et tout pour que j'aille faire la vidéo, etc. Là j'ai la tête baissée, tu vois, parce que je vais découvrir. Il a pas mis de cash ou quoi. Du coup là je regarde que la caméra, mais je sais qu'elle est en face de moi là, tu vois. J'ai trop envie de voir ma voiture. Oh le stress gros, ma première voiture gros. Est-ce que vous êtes prêts? On la découvre. 1, 2, 3. C'est pas elle. Elle est encore plus là-bas en fait. Oh mais je suis un trou du cul en fait. Je me suis dit, hein? Mais en fait elle est là-bas. Je l'ai vue au loin les gars. Mais elle est incroyable. Ah ouais mec. Les gars, vous attendez à quoi comme voiture là? Est-ce que vous attendez à une putain de voiture de ouf? Ou vous attendez à un petit truc tranquille? En vrai de vrai les gars, vous attendez pas à une voiture de ouf hein. Je lui ai dit, papa prends-moi une voiture d'occasion, une petite tranquille, un truc stylé qui pour me faire la main. Et après peut-être on upgradera. Mais regardez-moi comment elle est magnifique. Oh là 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 là. Regarde-moi ça mon gars. Est-ce qu'elle est pas incroyable? Gros elle est trop bien. Ça là, ça en stylé avec le noir là. Bah les gars, petite Peugeot. Gros c'est ma voiture. Je vais barauder avec ça. Avec ma petite Peugeot 208. Obligé qu'on va monter dedans gros. C'est mon gamos gros. Ouh ça sent. Oh toit ouvrant. Jure il y a un toit ouvrant. Mais attends mais ça c'est incroyable. Quand je serai avec ma Gachi, on va regarder les étoiles gros. Non là c'est trop. Wesh ça sent le neuf. Et elle est d'occasion les gars, elle est d'occasion. Et gros, cuir nacré, regardez. Tableau de bord, plaqué or, acier ici. Et diamant sur le logo Peugeot. Mais attends, mais c'est incroyable. Gros, c'est trop content. J'ai marché dans la merde. Donc c'est la première fois que je rentre dans ma voiture et je marche dans la merde. Oh putain, non. Il m'est ramassé les merdes de vos chiens là. Attends, mais j'en ai mis là. Oh non. Non, j'ai trop la haine. Comment je pue le seum? Bon, les gars, on va mettre le contact parce que moi j'ai envie de voir le gamos. On va voir s'il ronronne. Oh ça. Les néons dans le tableau de bord, on dirait une classe S. Gros, je suis dans une classe S. Alors attends, je vais essayer de mettre de la musique. Est-ce qu'on peut se connecter en Bluetooth? Mec, je pense qu'on peut se connecter en Bluetooth, c'est obligé. Comme ça, je me sens. La sono, ma gueule.
suis dans un son et je quête ça. On vient pour faire la fiesta. Mon je suis dans une Mercedes. Mec, c'est incroyable, c'est incroyable. Mec, y'a un vrai son, y'a un vrai son, y'a un vrai son. On dit t'es moins bon, continue ce que tu fais. Giga ! Mais la qualité du son, c'est des Bose. Les gars, le volant, il est aérodynamique. C'est incroyable la sensation, mais. Oh là 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 là, je suis trop content, les gars. Vous vous rendez pas compte comment je suis content? Parce que là, je me dis, putain, j'ai ma voiture. Là, je peux aller tout seul à Webedia. Là, je peux récupérer des potes, aller au McDo. C'est la liberté, ma gueule. Je peux pas rêver mieux. Attends. C'est magnifique. Et le klaxon est magnifique. Oh les gars, je suis trop content les gars. Je suis trop content, regardez, petit truc pour bouger les vitesses. Bah c'est pas les vitesses, moi c'est une auto les gars, hein. Elle est pas en manuel, c'est une auto. Mais les gars, comment vous dire, je suis vraiment content de m'être acheté ce petit véhicule. C'est mon petit cadeau de Noël, c'est bon. Je suis trop content parce que les gars, j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon bac, mon permis. Sur YouTube, vous cassez tout. Frérot, c'est, je suis trop content les gars. C'est grâce à vous aussi que j'ai cette voiture, sachez-le. Et je vous remercie infiniment. Et voilà. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. C'était une vidéo inoubliable les gars pour moi. Je la garde en souvenir, elle est importante les gars. Le permis c'est quelque chose d'important, je vous dis. Tous ceux qui vont passer leur permis ou leur code, je vous souhaite bonne chance les gars. En bref, prenez-vous pas la tête, stressez pas, soyez concentrés et vous allez y arriver. Sur ce, des gros bisous tout le monde. Vous êtes les boss, on se voit bientôt. Vous êtes les boss, vous êtes les kings of the world. Je vous kiffe, sur ce, bye tout le monde. Tchuss.